Bonsoir et bienvenue pour ce 19e épisode de Pokémon version éclaboure. Après avoir électrifié l'arène de Valsegas, ça va être un petit peu les vacances. On va pouvoir quitter cette île du casino. Et ben finalement non. Alors certains ont été impressionnés par le fait que j'ai farmé comme un porc pendant une heure l'arène. Enfin, les jetons dans l'arène, pour avoir 2000 jetons. Et ben là, je vais acheter des jetons. Cette fois-ci, je le ferai pas deux fois. Non, attends. 500 jetons. 500. Parce que je sais exactement ce que je vais faire. Ah, il me faut plus. Il me faut 8000 jetons, je pense. Allez, 8000 jetons. De toute façon, je suis riche. Je peux me le permettre. Un peu plus. Ouais, si jamais j'ai envie de jouer un petit peu de jetons. Parce que maintenant que nous avons battu la reine de Las Vegas, nous avons accès à ceci. Agent de sécurité. Bonjour monsieur. Ou point d'exclamation. Combat Pokémon? Non. Je vois que vous possédez le badge de Valsegas, donc je vais pas vous affronter, c'est sûr. Soyez le bienvenu. Et on rentre dans le casino de Monaco 5 étoiles. Bienvenue dans ce club, monsieur. Ah, bah pour une fois qu'on est accepté quelque part. Bonjour, je vends des lots en échange de temps. Quelque chose d'intéresse? Eh ben, en effet, c'est ici qu'on peut enfin, entre guillemets, récolter les prix de casino. Ah, il me faut la pièce rune, elle est hyper importante, et je vais prendre un... j'ai acheté quoi? Merde. J'ai acheté une merde, zut. J'ai pas sauvegardé. Non. Bon. Non. Tant pis, c'est pas grave. Donc je viens de claquer 30 000 Poké-Dollars. Parce qu'il demande même pas confirmation qu'on achète un lot. Alors, c'est où l'arène? Alors, la boutique est ici. L'arène est là. 500 jetons, 500 jetons, 500 jetons. Voilà. Quand on dit que Valsegas, vous ne ferez que perdre votre argent dans les casinos. Ce que je voulais, c'est acheter un 9 chance. 9 chance, 5000. Voilà. Sac. Bah pourquoi je veux ça? Parce que ça double l'argent gagné si le porteur se bat ici. Et je vais me dépêcher de le donner à... Oui, pièce rune. Et je vais vous montrer tout de suite comment... Je vais rembourser ça. Vol. Ça ne durera que deux petites minutes. Alors. Là. D'ailleurs, je vous ai pas montré l'équipe du jour, mais ça, ben, ça n'a pas changé, hein, à part que mon Rontar a gagné un niveau par rapport à l'épisode 18. Hein. C'est tout ce qui a changé. Donc, Tyranocif, Craniena, Florizarre, Lagron, Roucarnage et... Razegali, autour du niveau 71-75. Non, pas lui, pas lui. J'avais le réflexe XP, non. Le réflexe argent. Oui, le canon. Allez, éboulement, ça va être... Alors, grâce à la pièce rune, vous gagnez 10 000 Poké-Dollars. Et ben, je vais me faire rembourser l'argent qui a été gaspillé, tout simplement. Non, éboulement, c'est une sécurité. Ah oui, elle est esquivée. C'est pas grave. Je le fais trois fois. Remboursez-moi là, les jetons gaspillés. Allez, c'est bon, terminé. Remboursez Las Vegas. Donc voilà, grâce à la pièce rune, vous doublez vos gains d'argent. C'est pas compliqué. J'en profite pour vous montrer... Attends, il me faut... Ouais, téléportation sur Pokémon. Déposer Pokémon. Allez, je dépose un au hasard. Oui, j'ai besoin de déposer un Pokémon parce qu'il y a une chose à faire aussi. Donc hors caméra, je vais aller regarder ce qu'il reste à faire dans la ville. Il restait que ce bâtiment. Hein. Alors, je vous montre. Alors, on peut pas jouer à la roulette. Hein. C'est des fausses tables de roulette. Mais oui...
Voilà, ici vous pouvez avoir des super bonbons pour 200 000 Poké-Dollars, le super bonbon, ou un rappel max pour 100 000 Poké-Dollars, parce que bon, je suppose que vous aurez la flemme de jouer. Non, toi je t'ai déjà parlé. Il y a plein de vendeurs de l'eau. Hein. Bien bonjour, je présente Walter, parieur professionnel. Ça te dit tenter ta chance en jouant à pile ou face. La mise est de 5 000 Poké-Dollars. T'es partant? Oui! Je rache la mise. Bon, je préfère le canon. Franchement, c'est plus rapide et il y a de l'XP en plus. Bonjour, je vends des bonnes chances. Il y a Tombe Roche, Casse-Brique, Feu Follet, Cage Éclair, Toxique, ça peut être intéressant. Lance-Flamme, il faudra peut-être que je l'achète. Tonnerre, Laser Glace. Bon, si j'en ai besoin, ça sera hors caméra. Hein. Luc Duick, bonjour, je m'appelle Louis Duick, je suis un grand amateur de musique. Ça me ferait plaisir de te transmettre un peu de ma passion. Pour cela, je te confie une partition de musique. C'est une de mes préférées, le Nocturne de Chopin. Faisant bon usage. Obtenu partition. Mais je ne sais pas lire la partition. Oui, je sais jouer de la musique, bravo. Bon, bah on sait pas à quoi ça sert, voilà. Bon, il y a sûrement un PNJ plus tard dans le jeu qui va demander une partition. Hein. Généralement, ça marche comme ça. Bonjour, je vends des échanges, alors. Ah, mais il faut métamorphe. Simulard, je sais plus si j'ai dans le Pokédex, si, il me semble. Voilà, bon, il se trouve que j'avais déjà Simulard dans mon Pokédex. Donc, je vais prendre que l'Orior. Et surtout, c'est hyper important, métamorphe. Bah, ça me servir pour des reproductions. Et alors, ils sont comme niveau 45. Hein. Et oui, ça ne s'achète qu'au casino seulement. Ah, il est bonne stun quand même, métamorphe. Je vais parler à elle, je sais plus. Il me semble que oui. Oui, c'est ça, c'est. Peut-être un problème lance-flamme à mes Pokémon, mais pour le moment, c'est pas prévu. Et ici, bonjour jeune dresseur, si tu as pu rentrer ici malgré ton âge, c'est que tu dois être très doué. Je recherchais quelqu'un comme toi pour t'occuper d'un Pokémon un peu spécial. Je l'ai obtenu d'une de mes pensions qui s'occupe de mes Evoli. Ah, c'est un pensionnaire. Je pense qu'il sera très heureux avec toi si tu t'en occupes bien. Agarion obtient un Evoli, avec musique fanfaronesque. Ah, te revoilà. J'espère que le Pokémon que je t'ai confié se porte bien. Alors cet Evoli a une petite particularité. Il est shiny. Et shiny garanti, hein. Comme le Léviathan rouge dans le lac Colère. Donc voilà, on a fini ce que je voulais faire, donc... non, je vais pas chercher les 6. Donc j'ai récupéré un Colorior, un Métamorphe et un Evoli. Et dans le Pokédex, si tout se passe bien, 308. Alors, je vais faire 2-3 petites choses. Déposer Pokémon. Alors, on va le mettre tout ça. La boîte 7, ça, je le garde. Il y a certains Pokémon que j'ai pas pu faire reproduire. Parce que je n'avais que le mâle ou que la femelle. Alors lesquels j'ai pas pu vous faire reproduire, c'est mon rapidité. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que dans certaines générations, il n'y a pas de bébé. Ben, on va commencer par Dracolos, tiens. Parce que justement, il était question de pension. Ben, c'est sûr que si je prends Paroucarnage, ça va pas voler loin. Non, pas la carte. Sac. J'aurais pu prendre le Roucarnage de poche, de toute manière, j'en aurais besoin. Parce que je vais reprendre l'aventure après. Donc, je vais juste déposer le couple à la pension. Oui, parce que justement, il parlait de l'évoluer à la pension. Alors, turbo pour aller un peu plus vite. Donc, comme vous constaterez, je me suis bien ruiné. Voilà. J'ai claqué la moitié de mon argent en jetons. Eh oui, Las Vegas, vous sortez forcément ruiné. Alors, bonjour. Oui, oui, blablabla. Métamorphe, stocké. Et Dracolos femelle. Oui, ils ont l'air passionnés, mais ils vont quand même faire l'amour. Allez, on revient à Las Vegas, on reprend notre équipe. Retirer Pokémon. Non, je me trompe de Pokémon. Léviathan, je l'utiliserai à mon avis quand j'aurai besoin de cascade seulement. Parce que oui, mauvaise nouvelle, il n'y a pas d'objet qui remplace cascade dans ce jeu. C'est la seule CS avec siphon qui n'est pas remplacée. Je vais mettre qui en premier. Lui.
il ouvrira le bal. Non, objet. Voilà. Pièce rune. La pièce de Miaus. Non, objet. Donner. Allez, tu prends le médaillon de Miaus. Oui, la guerre. Ah, ça m'énerve. Il m'énerve ce bâtiment. Parce que quand vous remontez cette route, et ben l'entrée est pile au bout de la route. Allez, cette fois-ci, on continue l'aventure. On a fini. Adieu Las Vegas. Et on a marre de Las Vegas. Valsegas. Oui, j'avais pris l'objet qui était ici. Et oui, on va rentrer dans le désert de Californie. Rentrée du chemin sec. Maël, enfin, je commençais à m'impatienter de ne voir rien personne. Faut dire que c'est assez déstabilisant comme arène. Bon, on commence. C'est parti. Bon, de toute manière, avec la pièce rune, je pense que l'argent que Valsegas m'a arnaqué, je le récupère vite fait sur les dresseurs. Donc, patron, pâte d'ours bien brûlante. Ouais, mais c'est une pâte d'ours qu'ils ont représentée. C'est super efficace. Allez, on carnage. Envole-toi. C'est voltige, mais il saute pas assez haut. Et ça fait très mal là. Ouais, il s'écrase au sol. C'est super efficace. Et ben, il va y avoir des level up là. 76. Nilobellus. Les gigas sensu, ça devrait le OS. C'est pas le Milobellus de Ashad. Je sais pas comment il se prononce son nom. Archibald. Ah non, il est pas OS. Ah oui, il fait mal quand même. La paix, ben oui, c'est pas marrant sinon. La caserne. Il va y avoir encore un level up. Ah bah oui, rayon signal. Et il est plus rapide que mon Pokémon. C'est super efficace. B. Parce que j'aime bien les B. Colosse. C'est un Dracolosse mâle, hein, t'aurais pu la couper avec mon Dracolosse femelle. Et moi, j'aime bien les Twisties de meneuf. Bon, tout ce qui est reproduction, ça sera hors caméra, hein, je vous le dis. Mais il se peut, ne soyez pas surpris si d'un épisode à un autre, vous voyez une dizaine de Pokémon de plus sur le Pokédex. Hein. Eh bien. Oh, t'es pas riche, toi. T'es toujours aussi fort en tirer. Tu sais quoi, pour te remercier de continuer mes défis, je vais te laisser ça. Tu es un scientifique à Valsegas. Mais je n'en ai pas besoin, j'ai déjà tous les Pokémon que je veux. La Master Ball! Il s'agit d'une balle avec un taux de capture exceptionnel, avec une fatigue exceptionnelle. Je te laisse le soin de tester ça. Sans la CDI à ça. Allez, moi j'y vais, ciao. Donc faut dire K, voilà. Parce qu'il n'y a pas la CDI. Petite ellipse ou pas d'ellipse. C'est où son Pokémon? Bon, allez. TPO. Alors, vite, je récupère la paix. Et on fonce. Je vais mettre lui en premier, tiens. En moins, le boulevard de Las Vegas, on peut le remonter à tout à l'heure. Hein. Ouais, pas besoin d'ellipse, c'est assez court. Allez, on continue. Chemin sec. Alors, il y a beaucoup de Pokémon sol. Avalanche. Oh, il y a un petit bug d'ailleurs, il n'y a pas le cri. Seize. Euh.
encore un objet. Sable doux, tout doux. Ou un Keratroc, je veux. Qu'est-ce qu'il craint pas? Si, il ne craint pas. Ah bah si. Jus de dés, c'est quoi ça? Et hop, Keratroc est capturé du premier tour. Il est ajouté en Pokédex. Il garde des baies dans sa coquille pour éviter les attaques qui s'immobilisent sous les rochers. Non merci. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire encore? Et au tout cœur. Ah bien sûr, il m'a piégé, je suppose. Non, les tricopiquants ont une défense de merde. Il y a beaucoup de Pokémon qui ont piège ou des choses de genre. Voilà, quand je parle du, loup. Ah, il est pas si proche, tiens. Et ben, je le OS quand même, bon. Bon, tant pis pour le Pokédex, on le complétera hors caméra. Ah, tempête de sable. Et ben, dans ce cas-là. Oh. Tyranocif sera très content. Capturne, il craint quoi? Qu'est-ce qu'il craint pas? Ça, il craint pas. Heureusement que c'est pas piège de roc, l'attaque cheatée. On peut pouvoir y balancer les pokéballs maintenant. Il s'est réveillé en un tour, bien sûr. Putain, mais pourquoi il se réveille tout en un tour, là? Bon, et c'est bon, il m'a énervé. Ah, troisième coup, bah quand même. Bon, si ça fait comme mon Domicilno ou... Floriza, t'es presque mort. La nuit se met à s'acheter des animaux plus à chaque heure. Épouvantail. C'est un cactus surtout. Voilà. Et bien sûr, il n'y a pas sa forme primitive, donc il va falloir faire un œuf pour le Pokédex. Ouais. Prochain Pokémon que je vois. Sur. Putain. Bon. Moi je suis là pour régénérer mes points de vie. Bon. Et on peut pas accéder à ça. Ok. Sable rouge j'ai déjà. Giga sensu. Je vais surtout récupérer tous mes points de vie. Hein. Fossil d'homme, tiens. Allez, fuite, c'est bon, ouais. Au dauphin, attends, je vais le prendre. Au dauphin. Non, cette fois-ci, la tempête de sable. Voilà, histoire de pas perdre ma vie. Bien sûr, il va falloir faire un œuf de dauphin. Pour avoir tant pis. Non, pas de fossile ici. Pas de fossile ici. Oh, attends, j'ai envie de mettre full vie quand même. Ah, ça m'énerve! Ah, je suis même pas full. Qui a la pression, je sais même plus qu'il a. Ouais, c'est viré, ça sera bien. Petit brûleur, retour. Non, ça craint pas.
Donc autant faire une attaque stabée. Ah, oh, dans ma vue. Oh, t'es assez riche, toi. Quoi, tu veux quoi? Je veux un fossile. Objet prendre. Je vais donner pièce scène. Et ça ici. Tu vois ces petits ossements à côté de moi? Si tu fouilles bien parmi ces petits os, tu trouveras peut-être des fossiles. Point d'exclamation dans ta tronche. Les Pokémon veulent se battre. Traverser du désert. Pokémon Ranger Mitch. Est-ce que je prends risque ou pas? Je vais éviter d'avoir de subir une attaque extrêmement efficace. Super efficace. Il a le plus. Il leur faut de bonnes attaques. Attends, faut fouiller ça. Fossile racine. Deux fossiles déjà, bah ça en fait. C'est des 37. Tempête sable. Ah oui, vous m'énervez vos tempêtes sable là. Point d'exclamation de la tronche. Utilisez CT pour prendre de bonnes attaques avec les Pokémon. Dompteur, oula, avec un fouet. Comme les Team Rocket. Et oui, dans la première génération, les Team Rocket avaient un fouet. Histoire de bien fouetter les Pokémon. Ah putain. Ah, il est même pas où est-ce. Bon, je me demandais pendant combien de temps il allait me troller. Hein. Pas encore assez bon. Tu as des CS, les Pokémon ne peuvent pas les oublier. Et c'est justement ça qui est énervant. Riné féroce. Qu'est-ce qu'il craint pas? Ben, la cage, hein. Qu'est-ce que c'est parfait. Eh ben, il aime bien son pal carnet, hein. Dodo. Là, il va faire son gros dodo. Bien sûr, il faudra que je fasse un œuf pour avoir un Rhinocom. Ça va, on va bien s'amuser à la pension. Heureusement, il y a Métamorph. Merci. Alors, ça garde. Parce que le Pokédex se complète bien. 312. Et on s'en approche des 386. Encore un fossile? Eh ben dis donc, il y en a plein de fossiles là. On vend des CT en centre commercial, mais seuls quelques élus ont des CS. Et personne n'aime les CS dans Pokémon. La tempête de sable fait rage. Ça va prendre une vague dans la tronche. C'est super, non, c'est extrêmement efficace. Il est 74. Sylveon. C'est quoi, c'est assez. Je prends un risque, je peux le prendre un risque. Ouais, je voulais mettre Tyrannosif, mais si je me prends une attaque de type combat dans la tronche, ça va faire extrêmement mal.
Ah, fiasco complet! Apprends à tes Pokémon des attaques de leur type. Apparemment, ça baisse la puissance de l'attaque. Oui, c'est ce qu'on appelle le stab. Oh, ça tue. Oh là, je l'ai pas. On va dire la plaque après. On préfère l'endormir, mais bon, tant pis. Tu vas rentrer là, rentre. Et hop, Ossature est capturé dans une Pokéball là. Bon, on va la faire cette traversée du désert là. Ce petit Pokémon était revenu très faible. Il est venu au table le jour où il a pris à servir de ses os. Pareil que c'est un petit de Kangourex. C'est une Poké rumeur. En tout cas, dans Pokémon Gem, et ben Ossature évolue en Kangourex au niveau 50. Fossil Griffe. Bon, c'est correct, ça n'est possible. Ça tue, je t'ai déjà. Allez hop, prends-toi ta règle dans ta tronche. Connais-tu la légende des mirages de CD? Oui, c'est un ornithologue qu'il a raconté dans le jeu original Rouge Feu et Verfeuille. Oui, Maniac Donald. Comment un Pokémon dragon? J'avais hésité à le prendre dans mon équipe. D'ailleurs, il paraît qu'on peut en croiser ici. C'est extrêmement efficace. Il a combien le micro? J'ai l'impression qu'il est un peu faible là. Ah, j'ai perdu 7200 Pokéfric. J'adore le Pokéfric. Les mirages zélés seraient les Pokémon oiseaux légendaires. Ils sont trois. Articodin, Electro et Sulfura. Il y a un message coincé entre les dents de ce crâne. 5ème indice. Pour trouver le dernier un 6, il faut parvenir en flamme de la gloire. Ah, c'est la chasse au trésor, ça. Nautil. Je pense que j'ai trouvé tous les fossiles, là. 1, 2, 3, 4, 5. Oula, sur de longues distances. Les racines, c'est sur de longues distances, c'est sûr. Bon, bah, le texte est bugué. Pour l'exclamation de la tronche. J'ai pas d'humeur, mais bon. Alors, il me semble que les 5 fossiles, c'est Ammoni, Ammonita, Kabuto, Ptera, Lilia et Anorith. Et ben, ils sont tous offerts ici, les fossiles. Je connais quelqu'un à Crossville qui va bien être content. Hein. Oui, c'est... non. Allez. Casse-moi. C'est super efficace. Non, merci. Si, ça fait plus de dégâts. Un peu, mais d'accord. Bah, t'as gagné, non? Oui. Perdre ou gagner, c'est pas le plus important. Ah, je suis déjà passé par là. Ouais, hop, c'est bon. Ouais, c'est bon, on fait le tour. Bon, tant pis. Je vais me mettre au premier. Ah, c'est génial pour les rapteurs attaques. Donc, ça, c'est fait. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je commence à m'énerver. 73. Machou. Alors tout ça c'est fait. Une féroce. Non, pas de fossiles ici. Non, je les ai tous. Les Pokémon sauvages ne veulent pas me laisser en paix. Mais elles sont juste trop attaque. Alors. Non, rien à signaler ici. Alors, on a presque fini le désert.
tu vas en direction de Telsat, la télé par satellite. Ouais, ça me fait penser à la télé par satellite. Attends, je vais régler un peu le microphone parce que je le trouve vraiment bas aujourd'hui. Hein. Propriété. Niveau. Ah oui, je suis à 70 au lieu de 80. Voilà, ça devrait être mieux là. Je me disais, t'es un peu bas comme le microphone là. Séisme. Oui. Surf. Fortress. Je vais remercier. Casse-moi. Mais qu'est-ce qui est efficace? Séisme. Je vais rester m'entraîner ici encore un peu. J'adore les Pokémon oiseaux, je ne m'intéresse qu'à eux. Ouais, c'était des anciens ornithologues à mon avis. Sac. Sac à des pêcheurs. Il commence à fatiguer le pauvre. Désolé, cette grotte est uniquement accessible aux dresseurs confirmés. Repousse Moldu. Ah, je déteste ces trucs-là. Un dresseur ayant vécu la reine de Uvi Lacombris. Ah bah oui, il faut bloquer le chemin parce qu'en Pokémon, on adore bloquer le chemin. Cette grotte est sombre. Oui, non. Voulez-vous éclairer? Oui. Merci de compléter la phrase. C'est quoi cet endroit d'ailleurs? Je sais pas comment ça s'appelle. Carte. Puits de sable, ok. Qu'est-ce qu'on va trouver? Des gravalanches. Séisme. Un objet. Cette Eva, tu t'as contient tunnel. Elle est achetable en centre Pokémon de Crossville. Oh, le Pokémon qui n'a aucun point faible. Non, trop puissant. Du coup, on va passer sur un peu moins puissant. Ouais, j'ai le temps de switch. Donc, je vais pas me faire chier. Allez, un PV. Voilà, sommeil un PV, rendu premier coup. Ce Pokémon se nourrit de pierres précieuses. Dans les ténèbres, c'est joué brisonnant. Il fait jouer. Il a compris. Il fixe les ténèbres. Oh, un gros lème. Bien gros. Par ici, XP. On continue. Il me semble que cette grotte n'est pas très longue. Il n'y a pas de dresseur en tout cas. Oh, Escorplan. Mais je l'ai déjà. Ça craint quoi? Rien de tout ça. Allez, on mâchouille, on mâchouille. Level up, 300 points de vie. Ah, il est trop génial. Les stats de Tyranocif, ça n'a rien à voir avec les... Ah, nous voilà à Villa Combris. Avec une musique terrifiante et des spectrums. Tu sais, cette ville est très ancienne. Si tu cherches bien, tu seras peut-être sur des objets datant de plusieurs centaines d'années. Donc, il paraît qu'elle est souterraine, donc il n'y a pas la lumière du jour. Vous savez, bon, généralement c'est les nains qui habitent sous ville, hein. C'est pas les spectres, les fantômes et les exorcistes, hein. Mais bon. Je suis allé déposer un cierge pour mon Pokémon, mais je n'ai pas pu monter bien haut dans la tour. La tour Pokémon. Les jeunes dresseurs ont du mal à concevoir que leur Pokémon puisse mourir. En Nuzlocke Challenge, c'est le cas. La réalité n'est pas toujours aussi reluisante que ce qu'on imagine. Bon, mais là, dans ce jeu, il n'y a pas l'option Nuzlocke. Hein. Villa Cambris, enfui au milieu des ruines. Oh, Éclatroc. Qu'on n'a toujours pas d'ailleurs. Sans Pokémon. Selon les gens, un dragon vivait autrefois au sommet de la Tour des âmes. Ah, ça s'appellerait la Tour des âmes. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce beau? Tiens, on dirait que c'est la même chose qu'à Cramoisil. Vous savez quand on allait voir Missing No à Cramoisil? Non, lui dit autre chose. Léa est très... Léa est très... Oui, très gentille, mais aussi tellement forte. On va soigner les Pokémon. Bon, avant de finir l'épisode, on va finir tranquillement de visiter la ville. Parler à tout le monde, sans rentrer dans les lieux clés. Juste les maisons. Le nom de la Tour des âmes est très récent. Il a été donné par les habitants de la ville qui venaient y prier.
Les vestiges sont dire qu'autrefois elle était habitée par les dragons. Mon fils est trop jeune pour que je laisse partir voyager tout seul. Je suis trop deg, il n'y a pas de Pokémon insectes ici, mes parents veulent pas me laisser partir à l'aventure. C'est un scout. Dis quoi lui? Selon la légende, un dragon vivait autrefois au sommet en sommante de la tour des âmes. Mais je peux pas passer par là. Je vais aller au shop s'il vous plaît. Ça fait pas mal plein de... Ouais, c'est plutôt bien. Et ils n'ont pas d'attaques plus, donc je confirme c'est bien ce qu'ils ont dit à Cramoisil dans le passé. Alors est-ce que t'as de nouvelles CT? On dirait que oui. Tempête sable, danse pluie, zénith, feu folie, un feu folie, tiens. Cage éclair toxique. Ah, il y a du choix là. Hyperbole, potion. Oh, il y a tous les repousses et des cordes sorties. Donc là, on n'y a pas accès. Mist, salut Anarion. Avec la musique Mist, bien sûr. Je vois que nos enquêtes respectives nous ont conduits au même point. Ouais. Je suis juste en train de voyager, hein, il n'y a pas d'histoire de Team Rocket. Il semblerait que le Team Rocket soit entré dans cette tour. Je ne sais pas ce qu'il projette, mais maintenant que tu es là, je peux te laisser t'en charger. Et toi, tu restes pas? Je te fais confiance pour gérer cette affaire en solo. J'ai une information cruciale. Il semblerait que le laboratoire principal soit sur une route à l'est de la Ligue Pokémon. Je m'en vais vérifier ça sur le champ. Le temps presse. Très bien, je m'en occupe. Je dois vérifier la localisation de la planque principale le plus vite possible. Rejoins-moi au plus vite, je te préviendrai s'il y a du nouveau. A très bientôt. Oh. Tour des âmes. Que reposent en paix les âmes des Pokémon défunts. Ah tiens, on peut pas passer à côté. Ouais, j'aurais juré. Bon. Tu me bloques le chemin, merci. Ah si, par là. Ici c'est l'arène. Pokémon de Villacombris, champion Léa, la fille qui parle aux esprits. Ouh. On dirait que l'arène est fermée pour le moment, avec le repousse moldu façon Cramoisil. Vous m'énervez avec votre repousse moldu, vous pouvez pas dire la porte est fermée quand on appuie sur A-tu. C'est bon, nous avons visité la ville, enfin tout ce qui est visitable, à part la tour des âmes que je garde. Tiens. Oh, il y a des baies intéressantes là. Citrus, qui coûte le même prix que les baies, je confirme. Oui, 300 seulement, et ben c'est très rentable par rapport à la baie Orin. Et la baie Prime, oh ben ça c'est rentable. Et ben, si jamais vous cherchez des baies rentables, ben à partir de Villacombris, ça devient très intéressant. J'ai soigné les Pokémon, oui. Bon, on va s'arrêter là. Donc, oui, ben, on sauvegarde. C'est bien. 314 Pokémon dans le Pokédex. Ben, je vous dis, n'hésitez pas à commenter. Un pouce bleu, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un pouce levé. Et on se retrouvera pour le 20e épisode. Tabasser du Pokémon Spectre et la Team Rocket dans la Tour des âmes. Allez, à plus !